Salut à tous, c'est Marley, bienvenue à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va crash tester, enfin, oui, on va crash tester ensemble une nouvelle palette. Est-ce que ça peut vous donner un indice? Parce que oui, c'est un indice. On va crash tester aujourd'hui la Blood Money. Je vais être sincère avec vous, je l'ai eu au mois de novembre dernier. Je l'ai utilisé, sincèrement, je l'ai utilisé, je crois que vous allez le voir, les pannes. Ça se voit, mais je l'aime beaucoup. C'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé, mais comme j'avais pas fait de vidéo, j'avais envie et de refaire un make-up, mais un différent. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Donc la Blood Money, donc palette de Jeffree Star, donc de Jeffree Star Cosmetics. Elle est sortie, je sais plus quand. Bref, il fait pas mal de palettes un peu sur comment dire sur une teinte. Genre bah, vous avez vu la Pink Religion, la Blood, il y a la bleue, je sais plus le nom par contre. Enfin voilà, il y a la banana qui est la banana fétiche je crois qui est sortie là récemment. Et en fait moi j'avais vu cette palette et l'harmonie était magique. Je vous la montrerai après. Déjà je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur le packaging qui est vraiment magnifique. C'est un petit coffret. Donc avec les coins là en métal, c'est un effet croco. J'espère que vous verrez l'effet. Ça fait un peu cuir, enfin faux cuir. Ne regardez pas mes doigts, je sais, je m'arrache les peaux. Et mon vernis, je ne l'ai pas refait. Donc il est un peu moche, mais bon, on s'en fout. C'est pas la question. Donc effet croco, vert, effet cuir. Donc voilà l'arrière. Et elle pèse son poids, c'est vraiment un beau bébé. Vous avez l'ouverture, donc c'est un petit, voyez, un petit tac comme ça là. ASMR. Et on va voir. Voilà, la beauté. La beauté. Franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Elle est très belle. Il y a un petit duochrome ici, il y a des pailletés, des irisés. Elle est magnifique. Je l'ai vraiment poncée. Je crois qu'on le voit un peu au pad, hein, au pan, pardon. Après, voilà, ils ont un peu morflé, il y en a. Mais vraiment, vraiment, c'est une palette que je recommande si vous aimez le vert. Après, vous pouvez faire des trucs un peu plus nude. Il y a des kakis qui sont magiques aussi. Mais voilà. Du coup, eh ben, on va crash tester mes mères ensemble. Vous avez vu le coffret à l'intérieur, les dollars et tout. Enfin, j'aime trop cette palette. Bref, voilà. Du coup, eh ben, on va s'occuper de son cas aujourd'hui. J'ai pas précisé, mais j'ai fait mon teint. Et donc avec l'herborien, j'aime beaucoup. C'est pas la plus couvrante, mais actuellement ça va bien. Le Bare With Me au niveau du concealer. Et j'ai fait mes sourcils, donc avec le Sick It, Sick, enfin le Sick Stick It de chez NYX. Je vous aurai de toute façon le nom en description. J'ai pas l'habitude, je vous avoue, d'avoir les sourcils plaqués, j'ai pas l'habitude. Donc je disais, ça. J'ai l'impression que j'ai taché un peu mon teint. Là, tu vois vraiment par contre l'imperfection de ton sourcil. Genre là, je le vois carrément plus haut. Après, je les ai peut-être mal peignés. C'est un coup de main à prendre, je crois. Mais voilà. Après, moi, je les plaque pas comme on. Enfin, j'aime bien sur les autres. Sur moi, j'ai un peu de mal de les voir en hauteur. Déjà que j'ai l'impression d'avoir un mono sourcil. Mais voilà, c'est une question d'apprentissage. Bref, j'ai mis mon beige, j'ai tapoté ma base, mais je vois que ça a refait une sorte de strie là, et c'est chiant. Je dois trop en mettre, je sais pas. Bref, et aujourd'hui, donc, on va donc utiliser la Blood Money, comme vous avez pu le voir. J'ai envie de faire une sorte de halo, smoky, je sais pas trop. Ça sera pas du smoky, c'est plus un halo dans mon idée. On verra ce que ça va donner, je sais pas trop, mais ça peut être sympa. Je vais partir sur la teinte Black Card Limit, celle-ci là. C'est un noir avec des paillettes. Je vous ai pas dit, je crois que c'est une palette de 18 fards. Et voilà, mat, irisé. Enfin bref, comme je vous ai dit dans l'intro. Voilà, donc on va prendre le Black Card Limit avec le petit. Si je le retrouve, ce qui a l'air compliqué. Ah non. Ils sont propres à la base, hein, mais. Oh putain, j'ai eu peur, excusez-moi, c'est une moto qui a fait du bruit dehors. Ils sont propres, mais j'ai fait un petit make-up ce week-end et j'ai pas eu le temps de laver bah, mon 230 en fait. Donc ben voilà. Mais comme j'avais fait un truc vert, ça passe. Bref, donc je viens prendre le Black Card Limit. Et je viens en mettre. Alors attends, il faut toujours bien retaper le bordel. Et je viens attaquer là. Donc vous verrez, les fards sont vraiment pigmentés. Ce sera peut-être un look un peu dark.
Mais j'ai envie d'essayer un truc là. Quelque chose que je n'ai jamais fait avec cette palette. Donc, puis je voulais faire un truc un peu dark, un peu noir. C'est un noir vert en fait. Enfin, vous verrez pas trop comme ça, mais il est vraiment très très beau. Donc, il faut être très délicat hein, parce que voilà, il y a des petites paillettes, j'adore. Et je viens le descendre un peu en ras de cils. Voilà, et je viens monter légèrement. Donc dans le creux, parce qu'on va venir dégrader avec une autre couleur. Et en fait, je vais faire pareil de l'autre côté, là, ici, dans le coin, côté interne, quoi. Donc je suis délicate, hein. C'est pas une forme. Enfin voilà, on va voir. Je vais pas me monter plus. Au cas où, après, je reviendrai. Mais là, pour l'instant, voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens juste rajouter un peu de matière. Voilà. On va pas en mettre plus. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Alors, j'ai un petit souci là, là. Là, je viens essuyer et je vais venir dégrader un peu les bords. Et si, j'ai pas précisé, je vais venir faire pareil en bas. Mais je vais laisser la teinte, le centre nu en fait. En fait, c'est un smoky à l'eau. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, dans l'idée, je veux vraiment une forme fermée. Oh la gueule, les gars, je crois que ça pourrait être trop bien pour une miniature. On verra bien, mais je ne pense pas que ça va finir en miniature. Voilà, ma base est faite. Là, je viens prendre du coup le 231 et je vais venir dégrader les bords avec. C'est là que j'ai un doute. Parce que j'ai quand même une idée pour ce qui va être au centre, mais je voudrais que ça aille en fait avec ce que je voulais. Je vais venir dégrader avec la teinte. Comment elle s'appelle? Jaded. Donc cette espèce de gris bleu en fait. Je sais pas si c'est une super bonne idée. On va se lancer. Donc j'en prends un peu et je viens dégrader les bords. J'adore. J'ai un peu des chutes là sur le cou. Donc je viens prendre un pinceau. Hop, tout de suite. Mais j'avais pas de chute avec le noir. Ce qui est fou parce que le noir en général, ouais, ça chute quoi. Tac, je viens venir dégrader donc avec ma teinte Jaded. Je viens tapoter un peu quand même. C'est un joli vert sapinou. Vous le voyez, hein, mais ça fait un peu des taches, j'ai l'impression, aujourd'hui. Voilà, et je vais faire pareil, bien sûr, de ce côté. Je reprends un peu le noir pour venir un peu fondre encore plus. Et je reprends mon pinceau vert. Ça me m'enchante pas là. Voilà. Et je viens prendre mon pinceau où j'avais mis le beige. Et hop, on vient dégrader un peu les bords. J'aurais peut-être pu étirer un peu. Tu vois, t'étires, hop, comme ça. Faire un truc bien, bien, bien étiré, quoi. Et je reprends mon beige. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ils sont assez poudreux, mais franchement, ça va. Voilà. Et quand j'ai fait ça, on laisse comme ça. Non, je déconne. On vient prendre. Je vais prendre un pinceau plat. Et je viens prendre. Je sais pas si ça va le faire, hein, mais on va le tenter. Je viens prendre la teinte. Chaméléon fétiche, donc caméléon fétiche, ce vert jaune là. Je le trouve très joli et je voudrais le mettre en fait en coin. Oh, en coin. Pff, au centre en fait, si tu veux. Donc on va essayer ça. J'espère que ça marquera. Ah ouais. Ah, j'adore! Je vous ai crié là dans les oreilles, hein. Vous avez pas kiffé les gars. Et je monte en fait. Ah, je kiffe. Et je viens dégrader, hein. On va pas laisser ça comme ça, hein. Vous êtes conscient, hein.
Et je vais venir en mettre en bas en fait. J'ai un peu chié, je pense quand même, mais. En fait, j'essaye de rattraper un peu le bazar. Je crois que je vais prendre un pinceau propre et sans matière. J'aime trop. Attends, j'arrive pas à trouver mon pinceau. Là. Et pour essayer de fondre. Tu vois, faire un truc. Putain. Plus fondu. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je crois qu'on a compris que les fards étaient extrêmement pigmentés, hein. Et que c'est un kiff total, quoi. J'aurais peut-être dû nettoyer ma zone, en fait. Mais bon. J'aime trop, trop, trop. Faut pas avoir peur de descendre, hein. C'est au contraire. C'est plus sympa. Et je vais venir dégrader, du coup, là, en bas. Tac. Par contre, je pense que j'aurais pu descendre un peu mon Jared. Ok, donc là, ça fait bizarre. Là, j'ai ma base, putain, je vois mes cernes et c'est. Enfin, mes cernes, mes plis là. Mes plis de vieille et c'est pas génial. Bon, c'est pas fini. Je vais venir reprendre un pinceau plat, mais assez petit. Tu vois? Et je vais venir utiliser le Poison Ivy. Celui-ci, c'est un espèce de vert pomme un peu pailleté. Et je vais venir en fait en mettre un peu là dans la démarcation. Voir si ce que je pense sera bien. Histoire d'éclaircir. Enfin d'éclaircir, de donner une autre nuance. Et de mettre un peu des paillettes par la même occasion. Et je viens prendre le pinceau de là. Et je vais venir dégrader. Pinceau de là. C'est français ça, tiens. Tu vois, ça met une autre nuance en fait. J'aime bien. Franchement. Tac, je reprends mon pinceau du jaune vert. Hop. On fait des essais, hein. J'avais jamais fait de make-up comme ça avec cette palette. Fou, c'est vert. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Il est très beau ce petit vert. Ça ramène vraiment une autre nuance et c'est pas dégueu quoi. Il y a un endroit où j'ai chié. Je sais pas si je vais arriver à rattraper. C'est là, là. J'ai un peu trop monté mon noir. Et du coup, eh ben ça se voit. Ça fait un peu côté caméléon. Enfin, ouais, je sais pas, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis partie en mode. Si je savais ce que je voulais faire, pour une fois. Mais je pensais pas partir autant dans les tours. J'essaye vraiment de fondre hein, les formes parce que je veux surtout pas qu'il y ait des barres en fait. On est pas mal, on est pas mal, les gars, franchement. Enfin, sur ce que je voulais. Hop! Ça fait un joli petit dégradé. Là, ça part un peu en cacahuète. Mais bon, on va voir. Et je vais quand même essayer d'intensifier. Je vais voir ce que ça fait. Je voulais essayer le secret. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Secret stash. Tu vois, il est. Il n'est pas plus foncé, mais essayez de le mettre en coin là, voir ce que ça fait. Ça se trouve, c'est une grosse erreur. Mais je me rappelle plus de ce qu'il donne. Ça ramènera pas à guère plus. Vraiment pas à guère plus. Peut-être un peu foncé, mais. Ouais, c'est pas trop dégueu. J'en mets un peu partout où c'est foncé, hein, du coup. Merde, j'ai pas pris le bon. Histoire de que ça fasse vraiment plus sombre en fait. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu.
En fait, ça ramène vraiment un petit côté un peu plus satiné. Et c'est pas du tout négligeable. Non, j'aime bien. Je vais reprendre mon pinceau, hop, histoire de dégrader. Putain, ça y est, j'ai les yeux qui pleurent. C'est pas moche, les gens. Faut vraiment faire des trucs à l'arrache pour se trouver, pour trouver que c'est cool. Je ne suis pas satisfaite d'ici. Oh putain de merde. Là, je vais pas du tout l'être. Tac, et je refais un tour, un petit balayage. Je me demande. Non. Des fois, vaut mieux pas trop en mettre parce que là, j'aurais presque rajouté une couleur de transition. Je trouve qu'il manque un truc en haut. Mais je sais ce que je vais faire, donc voilà. Et c'est pas fini, hein. Du coup, là, je fignolerai peut-être hors cam, on verra. Je vais venir mettre un crayon donc dans la muqueuse et je vais venir mettre le Chartreuse Flash. Je pense que c'est pas mal. J'avais le vert. Mais un peu trop vert à mon goût. Donc on va utiliser celui-ci que je vais aller après taillage du crayon, je viens le mettre dans la muqueuse. J'aime bien. Voilà. De toute façon, à la fin, vous aurez les photos, hein. Et je vais venir mettre mon crayon noir. Ça sera fait. Le problème, c'est qu'il faut que je le trouve. Je l'ai tellement bouffé, ce crayon. Regardez la taille du truc. Faut que j'aille le tailler, sinon je vais m'arracher un œil, en fait. J'ai taillé mon crayon noir, qui est minuscule. Et je viens le mettre dans la muqueuse du haut. Alors là. Pas le truc le plus cool, mais. Genre, c'est chiant quand t'as des lentilles. Des fois, tu t'en mets sur la lentille et c'est infernal à faire partir. Ah, putain! Ben voilà, là, j'ai fait une tache. On va essayer de rattraper le bordel. Fou! Eh ben, c'est plutôt bien parti. Là, je pense qu'on est pas mal. Et je vais fignoler un peu, mettre mon liner. Et je vais vous avouer, donc j'ai acheté des fossiles. J'en ai jamais mis. Donc je vais les mettre hors cam. Parce qu'à mon avis, ça va être drôle. Et je reviens vers vous après. J'aurai certainement les lèvres aussi de fait. Donc voilà. Je reviens. J'ai oublié. Trop con la meuf. En coin interne, on va venir mettre un fard que je trouve magique, magnifique. C'est le Divine Intervention. Cette espèce ouais, il est trop beau quoi. Il a des petites paillettes vertes et tout. Il est magnifique. Et je viens venir le mettre là. Histoire d'illuminer un peu. Il faut que j'arrête de. On dirait vraiment, genre, je porte la lumière sur cette terre, en ce bas monde. Pardon. C'était le craquage, ça devrait passer. J'avais pensé à un autre phare, mais c'était pas sur cette palette, donc ça m'emmerdait. Oh, j'adore. Je kiffe trop ce phare. J'ai pas mis d'highlighter parce que je me suis dit que peut-être il finirait en highlighter. Mais je pense que du coup, le phare que je vous disais va finir en highlighter. Mais lui, il est magnifique. Après, en soi, là, je sais pas s'il va apporter un réel, si on le voit un peu. Mais il est trop beau. Et là, sur ce vert un peu foncé, ça fait des nuances, les gars. Et je vais venir un peu estomper quand même, tu vois. Enfin, estomper. J'aime bien le descendre avec un pinceau comme ça. Si, c'est joli. Voilà, bref. Maintenant, je crois que je vais aller faire un liner. Je vais faire un liner fin. Et je vais essayer de mettre des fossiles. Je vous en prie. Bah, j'espère que ça va bien se passer. Parce que je le sens pas trop. Donc, je mets mon mascara avant de mettre mes fossiles. Mais je vais le faire tranquillou, hors cam. Parce que je sens que ça va durer une plombe. Et ça va être chiant. Donc, voilà. À tout de suite. Et coucou. Et voilà. Le résultat. Oui, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Je vous ai laissé en vous disant, je vais faire un liner, je vais mettre mes fossiles, mon rouge à lèvres, voilà. Alors, les fossiles, ils sont, je trouve, assez naturels.
Je les trouve plutôt jolies. C'est l'Enix que vous avez dû voir bah, dans le dernier hall. Et ben j'en ai un peu chié. J'ai un peu repris mon liner parce que on voyait un peu. Mais et ben je trouve que pour une première, c'est pas pire. Et c'est vrai que c'est joli quand même. Hein. Franchement, j'aime bien. Donc j'ai fait mon liner avec le Quicken. Le Lifeliner Quick and Easy de chez Huda Beauty parce qu'il est vraiment très fin. Regarde la pointe. Et vu que j'ai une mauvaise expérience avec le NYX, je sais pas pourquoi j'en chie dans le coin là. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon mascara, le Sky High, le normal. Et après, j'ai mis mes faux cils. Donc, j'ai pris, vous savez, dans les kits de Strass, j'ai pris ça comme pince. Bah, ça a bien fait. Écoute, faudrait que je la nettoie, il y a plein de mascara d'ailleurs. J'ai pris la colle duo. Donc elle, l'avantage, j'en ai une autre, vous savez, mais elle avait pas de pinceau. Et elle, il y a un pinceau. Donc j'ai mis ma petite colle sur mes cils, donc sur les faux cils, en sachant que les faux cils, ils n'avaient pas de bande noire. Donc j'aurais pu ne pas mettre, je pense, de liner, mais je suis pas encore très calée. Et on aurait vu en fait les petites démarcations. Je sais, je pense pas être à ras de mon cil naturel. Donc c'est encore un coup de main à prendre. Et après, je me suis dit, mais pourquoi on rajouterait pas des strass en fait? Je sais pas, est-ce que c'est trop? J'ai mis des strass noirs. Voilà. Et comme j'avais pas de strass, eh ben j'ai mis comment on appelle? Des multicolores là, des opalescents. Donc il y a plusieurs tailles. Enfin voilà. Et du coup, en rouge à lèvres, eh ben j'ai mis ma base donc de chez Lash Cosmetics, la coche. Ah! Et Lash Cosmetics, la Ultimate Lips. Que après j'enlève en faisant un bisou à ma main. Genre. Et je suis venue mettre le liquide lipstick de chez Martine Cosmetics. Le Blair, le noir, qui faisait partie de la collection 669, que j'aime beaucoup. Et par-dessus, du coup, eh ben, j'ai utilisé la. Comme d'hab, hein, j'aime bien le faire. J'ai essayé de. Voilà. Au milieu, j'ai mis. J'ai mis en fait ben, le. Qu'est-ce que j'ai mis? Attends, merde. Oui, j'ai mis le Poison Ivy, celui qu'il y a en centre là. J'ai essayé de le dégrader et j'ai rajouté par-dessus le Divine Intervention en centre-centre. Et après, je sais pas si ça se voit. Putain, vous avez mon retour. Oh. J'ai essayé de le dégrader pour pas que ça fasse toutes les lèvres de cette couleur. Et un highlighter, mais. Je suis pas convaincue qu'il se voit de trop. C'est le fard que je voulais utiliser, mais qui fait pas partie de la palette de Blood Money. Mais on reste dans les verts. C'est la Mystery. La Enchanted Mystery de chez LH Cosmetics. Elle est magnifique. Vous allez péter un plomb quand vous allez voir. Je l'ai depuis, pareil, un peu un moment, depuis novembre, je crois. Et voilà. Et en fait, je suis venue mettre le serin. Mais, alors qu'il est très. Il est vraiment beau. J'ai mis mon spray, mais bon. On dirait que je louche, mais oui, c'est pas faux. Et il a des petites paillettes vertes aussi. C'est pour ça, je me suis dit, au lieu de remettre le clair de la palette, d'ailleurs, j'en ai mis là. Je me suis dit, tu vas mettre ça. Je fignole, hein, en même temps que vous. Mais il a des paillettes un peu bleutées, vertes. Je pense qu'on est sur un look plutôt. Je sais pas. Ce que vous pensez de ce look. Je pensais pas que ça allait partir comme ça, mais j'en suis plutôt contente. Du coup, et eh ben, qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Moi perso, elle est validée depuis un bail, vraiment un bail, hein, depuis au moins avant Noël, parce que voilà, les palettes de chez Jeffree Star, c'est toujours quand même une merveille. Hein, faut dire ce qui est niveau pigmentation, niveau qualité des fards, travail des fards, c'est quand même le top. Là, on a une harmonie, ok, bien verte, mais vous pouvez quand même jouer sur les kakis. Il y a des tops, il y a, enfin, il y a, je sais pas si j'ai pas tenté de mettre le Monet Est un peu à un endroit, mais ça a pas fait plus que, ça a pas donné ce que je voulais réellement, mais, enfin, voilà, j'avoue que je commence à être bien fan des palettes Jeffree Star. C'est vraiment une bonne marque. Les liquides lipstick sont géniaux. J'ai pas de noir de chez Jeffree Star, ça aurait été cool. J'aurais pu faire un total look Jeffree. La poudre aussi, je voudrais la choper. Enfin bon, bref. Mais non, franchement, je sais pas ce que vous en dites. Je suis toujours vachement bien coiffée. C'est magique. Je vais faire deux, trois photos un peu plus jolies.
Et puis, vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Je sais, je me rabâche, ça fait vraiment la youtubeuse de base, quoi. Enfin, youtubeuse, si on peut dire ça. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up. Ça serait cool parce que j'aime bien avoir les retours un peu de ce que vous pensez. Si vous avez aimé, si vous pensez que, genre, les faux-cils, je pense qu'on les verra un peu sur les photos. Après, c'est la première. Ce que vous avez pensé des sourcils plaqués un peu là. Je pense à chier, c'est pour ça que j'ai mis un. On le voit là, ça fait des jolis. Bref. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter. Et si vous voulez vous abonner, ça sera avec plaisir. C'est toujours une vidéo par semaine. Le jeudi à 17h45. Ça y est, c'est calé maintenant. J'ai calé la date, on va dire. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée. Je vous souhaite de bien vous éclater si vous avez du Jeffree Star. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette marque. Si vous avez la Blood Money, si vous avez la Sugar machin, toutes les palettes qu'il a fait. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!